Bonjour YouTube, je sais pas si on va y arriver, mais en tout cas on va tenter un défi. On n'a pas le droit de toucher une seule porte, sauf évidemment la porte d'entrée. Ça va être difficile pour avoir accès à la salle du fantôme, et ça va être difficile surtout pour se cacher s'il chasse. Est-ce que la game sera impossible? Peut-être. En tout cas, si c'est impossible, on va juste redémarrer. On est parti sur une Grafton. La Grafton, ça m'a l'air d'être le bon choix, quoi. C'est vrai que l'asile, ça peut le faire. L'asile, ça peut le faire. Faut avoir un peu de chance, mais ça peut le faire. Mais la Grafton, elle est pas trop grande et elle est pas trop. Elle a pas trop trop de portes. On va prier, on va prier, tiens. Et je priais, et j'ai prié. Alors, on a le courant tout au fond. Donc, déjà, le courant, on peut pas. Ah oui, j'avais pas pensé au courant. Le courant, on peut pas. La Grafton, on peut se cacher ici, là. Non, ici, derrière le fauteuil. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une porte, en fait. Les salles, on peut y avoir accès. On peut pas avoir accès à cette salle. Il faut qu'on ait de la chance sur les portes ouvertes, en fait. Let's go. La porte d'entrée est autorisée, mais bien sûr. Bon, tu vas Seitan, tu veux bien? Mathéo porte. Pas mal, pas mal. Alors, regardons l'activité vite fait. Je vous rappelle qu'on peut avoir le MF5 direct, hein, sans entrer dans la maison. Il suffit d'ouvrir la porte. Ok, pour l'instant, on a un fantôme qui fait pas grand chose. Des bisous, Pink. Des gros bisous. Je pense qu'on va essayer. On s'arrête vers 2h, 2h30, je pense. On va essayer ce défi jusqu'à qu'on y arrive, de toute façon. Allez, let's go. Oh, la porte est ouverte. Ah putain, la porte là-bas est pas ouverte. Ok, on a deux portes ouvertes, ça c'est cool. Bon, on n'a pas accès à la... On a une porte ouverte ici. Oh, on est bien en fait là. On a la cachette. On a la pseudo cachette ici. Ah, c'est pas mal. On est pas mal. J'ai pas raté le défi sans journal. Ah mais attendez, vous êtes trompé de chat? Vous êtes... On regarde pas la même chose, je crois. Alors, on va allumer. Ça peut arriver que le fantôme allume le courant, ça m'est déjà arrivé. On va aller voir à l'étage. Ah, tu parles, ok. Donnez-nous un signe. Oh, on a... Ah, dommage. Cette porte fermée, c'est dommage. Celle-là, bon. Et celle-là est ouverte. On a l'os. Attendez, celle-là, il y a peut-être moyen de la réussir. Ah, si on y arrive du premier coup, c'est joli. Hein. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Faut juste qu'on ait de la chance sur le positionnement du fantôme. Là. Fantôme très gentil pour l'instant. Très gentil, très serviable. N'hésite pas à ouvrir les portes. Un défi de faire une game minimum pro sans courir d'un gang qui te suit du Québec. Quoi? Comment tu vas, Kat? Les games sans courir, ça fait longtemps qu'on en a fait. Pas de MF5 pour l'instant. Ah, attendez. Avec un peu de chance, on peut avoir la salle du fantôme. 92. Des bisous, Dimitri. Comment tu vas, sinon 4? Je lis pas tout le chat, hein, désolé. J'avais pas l'info. Là, il a fait bouger un truc. Je dirais cuisine. Il a ouvert la porte. Il a ouvert la porte, baby. Bonjour, madame. Oui! On va vite vérifier. Bonjour, bonjour. C'est moi, Orson Welles. EMF4, pour l'instant, il n'y a pas de MF5. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Spirit? Ok, on a la spirit. Dépêche-toi. Oh, attendez. Par contre, s'il ferme la porte, je suis dans la merde. Ok, il est cuisine. Est-ce qu'on a une empreinte? Je vois pas d'empreinte. Ok, potentiellement pas d'empreinte. Niveau thermo. On n'a pas de glacial. Ok. Oh, on est bien là, on est bien. Un peu de luck pour le courant. Ouais, j'ai un peu de luck, ouais. Alors, on a spirit, pas de glacial, a priori pas de MF. Ok. Petit yokai? Ah, c'est très gentil cette âme. On va se placer tout ça tout bien. Eh, on est sur le point de réussir du premier coup. Hein. Des bisous Gigi, c'est gentil d'être passé. Mais non, mais merci à toi, tu déconnes.
Et il ferme la porte, on est dans la merde. Hein. Il ferme la porte, on est dans la merde. Il vient de refaire tomber un truc. Là, la bière. Oh, je l'ai eu à 5. Ouais, je l'ai eu à 5. Esprit spectre. Easy game. On a fini la game. On a fini la game, mesdames et messieurs. Esprit ou spectre. Easy. On a réussi une game sans... Bon, attendez, c'est pas fini, mais... Let's go. Est-ce qu'on peut la faire à 100%? Sel, chasse. Attendez. Merci beaucoup, Saitan, pour ton prime. Bienvenue chez les gueux. C'est l'heure de l'apéro. Avec les toxiques de LOL. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Merci beaucoup. Alors. Donnez-nous un signe. Je place pas forcément très bien mon sel, mais bon. J'en ai d'autres. Je vais aller chercher de l'encens. Il a marché, non? Il est gentil avec les modos. Merci beaucoup en tout cas pour ton prime, c'est pas. Ouais, il est sympa ce fantôme, il est sympa. Waouh! Waouh, le petit esprit des familles. Il a toujours pas marché dans le sel. T'as vu les beaux pics qu'il fait là? Je crois que c'est l'esprit. Dams, c'est lequel? C'est l'esprit ou le spectre qui fait ça? Il y a le polter qui le fait. Je crois qu'il y a un des deux qui le fait aussi. Il me semble que c'est l'esprit. Je suis pas sûr. Je sais que Dams t'avais l'info. Les deux le font maintenant. T'es sérieux? Ils l'ont changé. Putain. Là. Ah putain, je suis en retard. Hop. On va attendre qu'il marche dans l'autre selle au pire. Mon encens, il est où? Là, il a marché. Ok, c'est un esprit. Donc j'avais bien piffé. C'est un esprit, mesdames et messieurs. La game est pliée. On va la faire à 100% quand même. Oh, on a eu... Oh, on est bien là. On est bien. Repousser et échapper à une chasse. Ok. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Vous vous rendez compte qu'on a fait... On est sur le point... Il a tapé à la vitre. On est sur le point de faire une game 100% sans toucher aucune porte. C'est beau quand même. Maintenant, le spectre peut le faire aussi. D'accord. Ok. Donc maintenant c'est Esprit, Spectre et Polter. Je peux vous faire des gros pics comme ça venant de nulle part sans... Ingrid, est-ce que tu baises? Ah bah écoute, Brupa, faudra lui demander. Ne demande pas à moi. C'est gentil, merci. Oh non, 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 ça c'est horrible ce bruit. Ah bien sûr, hein. Tu vas te cacher où là? Bah tu vas voir. Tu vas voir. En tout cas, il a envie de boire l'apéro lui. Hein. Ça se voit. Donnez-nous un signe. EMF5? EMF2? EMF5, ouais. Je suis à combien de santé mentale? Au pire, on peut essayer de chercher l'objet body. Y'a pas le tarot. Il a éteint la lumière. Y'a pas la boîte à musique. Je sais plus où elle est, là. Elle est là, non? La poupée vaudou sur le coffre? Non. Ah putain, mais si c'est la Ouija ou le... Si c'est la Ouija ou le cercle d'invocation, c'est à l'étage, je peux pas y aller, la porte est fermée. Le miroir, je suis passé à côté. Ah oui! Bien vu. Je pense jamais à regarder le mur. Bon ben, on va se faire un petit coup de miroir, ça vous dit? Ça ira plus vite que ça. Il devrait pouvoir attaquer là-bas. Voilà. Allô? Bonjour monsieur. Où êtes-vous? Où est-ce que t'es-il? Ah, il est là, il est là. Regardez, regardez! Bonjour madame. Comment allez-vous? Tiens, prenez ça dans la gueule. What the fuck? J'ai tellement pas eu de chance. Non mais what? What?
Et il est pas censé me suivre hein, quand tu claques l'encens. What the fuck? What? Non! Mais non! Mais non! Mais non! Je vous ai dit! Putain! Non mais... En fait, quand vous claquez l'encens, il y a une... Les probabilités de déplacement du fantôme sont random. Et en fait, il a décidé, je pense, hein, à mon avis... Non, le mortel, c'est déjà quelqu'un d'autre. L'encens a pas marché. Bah si, l'encens a marché vu que je suis pas mort. Ah, j'ai pas regardé les objectifs. Elle m'a suivi malgré l'encens. En fait, elle m'a suivi aléatoirement, c'est ça. Donc en fait, j'ai juste pas eu de chance de ouf. En fait, quand vous claquez l'encens, le fantôme ne fait pas forcément demi-tour. Okay, le fantôme, en fait, il se dirige, mais à l'aveugle. Sauf que le fantôme, il a décidé de monter à l'étage, complètement random. Sauf que moi, je me suis dirigé aussi à l'étage. Donc là, c'est juste de la luck, en fait. J'ai juste pas eu de luck. Putain, on y était presque. Non, mais ça dégoûte. Ça dégoûte. On en tente une autre. Oh, ça dégoûte. J'ai claqué 3 points de chance en début de game. Bah non, justement. J'en ai claqué 0. Oh, putain. Oh, la malchance d'un homme. Ah, mais si, en début de game avec les portes, ouais. Merde, on va être obligé de recommencer, chat. Oh, je suis deg. Il y avait une chance sur combien que ça arrive? Une chance sur 50, quoi. Et c'est arrivé. Ah, ça fait mal, quand même. On va mettre 2 crucis. On va pas mettre de lampe. Ça briquet, on en met 2. Détecteur, 2. Micro, toujours 1. Appareil photo, 1. Bâton d'encens, on en met 4. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Pilule, 2, ça suffit, je pense. Des bisous, Onyx. Oh, pâquerette, tu t'es réveillé, t'as bien dormi. T'as claqué trop de points de chance. Ouais, j'ai lu ça. Mais ouais, putain, j'ai vraiment pas eu de bol, là. Je suis vraiment deg. J'ai vraiment pas eu de bol. Ça m'était jamais arrivé. Bah écoute, hey, y a un début à tout. On va retenter. On retente sur une Grafton, du coup. Allez, let's go. On retente. Ça, c'est... Hey, si près du but. Mais quand je l'ai vu me suivre, j'ai entendu les battements de cœur. Je fais, mais qu'est-ce qui branle? Est-ce que vous pensez que c'est un bug? Parce que j'ai claqué l'encens vraiment au dernier moment. Ou est-ce que j'ai juste pas eu de chance? Je pense que j'ai juste pas eu de chance. Hein. C'est bizarre. Ouais, c'est full unlock. Hein. Ouais, c'est juste de la malchance, c'est ce qui me semblait. Oh mais là... L'homme... Attendez, il faut qu'on trouve une phrase putaclic pour YouTube. On va l'appeler... Comment on pourrait l'appeler? Il faudrait un truc avec la plus grande chance du monde, mais avec le plus... Retour de karma? On l'appelle retour de karma? Comment on l'appelle? Oh, la porte est ouverte. Let's go. Celle-là, elle est pas ouverte. Celle-là non plus. Ce fantôme ne craint pas l'encens. Oh, alors ça, c'est putaclic, ça j'aime ça. Oh, ce fantôme ne craint pas l'encens. À l'étage. Oh, dis-moi que la porte est ouverte. Je t'en supplie, dis-moi que la porte est ouverte. Oui, oui. Pardon. MF2. Ok, let's go. Let's go. Sans toucher aucune porte, mesdames et messieurs. Leçon de karma. J'aime bien ce fantôme ne craint pas l'encens. Ça, c'est putaclic à souhait, ça. Ça, c'est le feu, ça. La justice a toqué à sa porte. Merci Tartiflette pour le follow. Merci de me donner faim. Merci Pâquerette pour les bêtises. Ah, il est trop long, Alex, ton titre. Il faut un truc putaclic, mais court, tu vois. Ah, putain. Du coup, j'ai pas accès au courant. Et là, j'aurais jamais accès au courant vu qu'il est à l'étage. Bon, au moins, je vais pas me plaindre. La porte est ouverte. Let's go. Je suis à combien? 95. Bon, c'est pas grave. Et si jamais celle-là, on y arrive, on mettra les deux sur YouTube. Et nous, on ment pas à YouTube. On va pas être en mode style. Ouais, c'est notre première game. Le pire joueur de cache-cache. Ah, c'est pas mal. Je me suis fait raid par un fantôme. Pas mal. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? J'ai peur. Et j'ai rien. Pas de glacial, hein, je pense pas. Ok. Pour l'instant, on n'a pas de glacial. L'encens est patch? Comment ça, l'encens est patch? Comment tu vois, Audacious? Ah, il y a zéro chance qu'il m'ouvre la porte là-bas. Le nouveau pouvoir de l'esprit. T'imagines, c'est vrai?
Non mais t'imagines, c'est vrai? Tu claques le... Parce que je vous rappelle que l'esprit, du coup, il a quelque chose de spécial avec l'encens en plus, hein. Regarde, un esprit peut être temporairement repoussé en brûlant un bâton d'encens. Et du coup, non. Attends. Mais ouais, mais ça fait sens en plus, c'est ça le pire. C'est qu'on peut se dire qu'en fait, il y a un truc avec l'encens et l'esprit. Alors moi, j'avais entendu comme quoi, et pareil, hein, j'avais entendu comme quoi, quand en fait, pour savoir que c'est un esprit, quand tu claques l'encens, il fait demi-tour. Pardon. Pardon. Non, j'essaie de pas rire, mais c'est tellement compliqué. Ouf. Il a pas de force, l'esprit. Point fort, trop faible. Voilà. J'ai pas de trépied, j'ai oublié d'acheter un trépied. Orbe. Ok, déjà on a orbe. On va mettre ça ici. Il vient de faire bouger un truc. Ouais. Merci beaucoup Pacrette qui offre 5 subs, de la passion pour les gueux, baby. Merci énormément Pacrette. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Des bisous à Issou. Alors. La pression. Bon, pour l'instant, je dirais qu'il n'y a pas de MF. On a Orbe. Yokai Cauchemar Banshee. Est-ce qu'on a des dots? On va regarder ça vite fait, mesdames et messieurs. Putain, merci énormément, Pacrette. Ça fait grand plaisir. Merci pour les 5 subs offerts. N'hésitez pas, évidemment, à remercier la personne qui vous offre des subs. Tu dégages une trop forte odeur corporelle pour ça qu'il réussisse à tuer. Ce soir, on exclut les fantômes alcooliques. Les fa, comme on les appelle. À ne pas confondre avec les autres qu'on appelle les fa. Et là, il ferme la porte. Ah, mais attendez, j'y ai pas pensé à ça. Oh oui! Magnifique John Cena, mesdames et messieurs, de gauche à droite. Banshee ou Yokai? Empreinte, Spirit. Ok, c'est une Banshee, je pense. Ça doit être une Banshee. Banshee. Est-ce qu'on peut la faire à 100% celle-là? Photo du fantôme, crucifix, bâton d'encens. Let's go. Let's go. Je suis à combien de santé mentale? 80, puis ça, on a le temps. Je pense que je vais retenir tous les soirs. L'ambiance est grave cool. Mais c'est très gentil, ça a été. L'ambiance est cool ici, hein. On se prend pas la tête. On se fait plaisir. Par contre, oh putain, j'ai cru qu'il avait touché la porte. J'allais dire, comment on fait si jamais le fantôme ferme la porte et que je suis à l'intérieur? Donnez-nous un signe. Comment je fais? Je suis baisé? Donnez-nous un signe. Putain! Oui, merci énormément pour les 5 subs offerts, merci beaucoup! Merci beaucoup. On va claquer l'encens. Parce qu'elle est là. L'encens est validé normalement. Encens validé. Il nous reste le crucifix, la photo. Ok. Doudou! Putain, merci beaucoup. Bisous pour les 5 subs offerts. Dont à Maurice. Des bisous, Maurice. Et merci, Pacrette. Pacrette qui est en train de spoiler les nouveaux screamers de samedi. Tu le looks dans sa pièce. Ouais! On va mettre 2 crucifix. Il nous reste quoi? La photo. Oh, la photo, ça va être compliqué. Ah, il est pas nouveau, il est très ancien. Merci beaucoup. T'as tapé au pif? Bah, bien joué. Bon, mais il n'y a plus qu'à attendre qu'il nous attaque. On va chercher un appareil photo au cas où. Plus de badge qu'un militaire. Putain, c'est clair. GG, bisous. Merci encore, bisous et Pacrette, merci beaucoup. C'est pas avec le moment mystère, comment ça?
Du coup, il me reste la photo. On va ramener un encens et puis après, on va ramener encens briquet. Le bruit du screamer? Je sais pas du tout. Alors, on va poser le briquet ici. L'encens, pardon. Poser ça aussi. Faut pas qu'elle se monte tout de suite. Elle a ouvert la porte là-bas. Attendez, on a tout pour réussir là. On va pas de choc comme la game d'avant. Merci Audacious. Merci beaucoup. Ok, let's go. Putain, il va falloir qu'on attende. Hein. Ou alors qu'on trouve le l'objet. Merci Audacious pour les 240 cbits. J'ai oublié le briquet. J'ai oublié le briquet. Je suis un sac. Merci. Merci madame. Vous pouvez pas nous donner une empreinte s'il vous plaît? Il y a les dots. On verra après la chasse. Merci Pâquerette. Attendez, si c'est le MF5, c'est quoi? Ça peut pas être le MF5. Ouais, le fantôme me le rappelle, hein. Il me rappelle. Regarde le petit événement paranormal qui fait un pic de 2, quoi. En fait, nous, ça nous arrange parce que du coup, il va attaquer plus tôt, donc c'est cool. Let's go. La photo, ça va être compliqué. Imaginez, il a changé de pièce. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Attends, il est toujours là? Il est toujours là. Juste pour être sûr. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Allez, montre-toi, je t'en supplie. Le cruci. En plus, c'est une banshee, donc le cruci devrait marcher easy. On va reculer celui-là un petit peu d'ailleurs. On va le mettre là. On va le mettre là. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Putain, tu m'as fait peur. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Il va pas se montrer. Donnez-nous un signe. Attendez, ça peut être. Ah, ça peut être un Raiju. J'ai pas eu de MF. Empreinte EMF ou Spirit? Ah, c'est pas la Spirit. Banshee Raiju. Ah! Et le Raiju, il aurait déjà attaqué. Des bisous, Didou, comment tu veux. Donnez-nous un signe! Montrez-vous, s'il vous plaît. J'ai peur. Ça, c'est fait. Donnez-nous un signe. Donnez-nous un signe. Ok, j'ai la photo. Le cruci devrait pas tarder. Attendez, on va se cacher où? On a le fauteuil ici. Normalement, le fauteuil est safe. Hein. Putain, si le fantôme vous voit pas y aller. Qu'est-ce que j'ai en planque, là? Est-ce que j'ai des portes ouvertes, ici? J'ai cette porte-là. Ah, c'est pas une planque de ouf, ça. La porte ici est fermée. Ah, je peux me cacher là, au pire. Ah non, ça passe pas. Merci beaucoup. Macrette. Audacious, merci beaucoup. Cruci est validé. J'ai pas d'empreinte, chat. Donc là, faut que je fasse un soi. Je pense que c'est Banshee, mais j'ai pas d'empreinte, pour être sûr. Donc soit je pars et je suis mon pif, et la game est réussie. Soit en fait, soit on le valide et on meurt. Et du coup, le défi n'est pas réussi. Oh putain, ça sent la merde. 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 Bon, tu vas. Yori Kana. Tu vas bien? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Merci Steven pour le 50 bits. Merci beaucoup. Attends, il faut que j'enlève les crucis du coup.
s'il a... Oh, putain, arrête, me fais pas peur. C'est pas le moment. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. En fait, je reste ici parce que s'il touche la porte, je suis baisé, quoi, je suis enfermé. Donnez-nous un signe. Pourquoi il attaque pas? Je suis un peu tendu, là. Hein. Donnez-nous un signe. Ah bah attendez, il bouffe pas les crucis d'ici, là. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Allez. Elle est où? Elle a touché une porte ou pas? Je suis pas sûr. Oui! C'est une banshee. C'est une banshee. On se casse. On a réussi la game à 100% sans toucher aucune porte, mesdames et messieurs, évidemment, sauf la porte d'entrée. Let's go, baby! On a réussi! Deux games d'affilée, hein. À la première, c'est une réussite quand même. Oh putain, oui! Non, la planque est safe. La planque est safe. La planque est safe. Merci beaucoup, Pacrette. Merci beaucoup de niquer la VOD YouTube. Merci énormément. Let's go, baby. On a réussi une game à 100% sans toucher aucune porte. Deux games. On va dire que c'est deux. 1000 buts. Merci beaucoup, madame. Merci énormément pour les grenouilles. Et c'était évidemment une banshee YouTube incroyable. On a réussi deux games. Une game et demie. Allez, une game et demie quand même. J'ai juste pas eu de chance sur la première. Sans toucher aucune porte. N'hésite pas à le faire chez toi. C'est vrai que la Graftod, elle est bien quand même. On a eu un peu de chance. Ça fait plaisir. N'hésite pas à partager, commenter, liker, à venir dans les commentaires. Si vous voulez, des bisous, prendre soin de toi.